Je suis Joanne Jaillet, je suis salariée de la Fondation Le Refuge depuis 8 mois. Je suis chef de service du DENH à Angers qui accueille et héberge des demandeurs d'asile et réfugiés LGBT. Bonjour Huguette. Bonjour. Ça va ? Vas-y, assieds-toi. Le DENH est un lieu qui accueille des personnes réfugiées et demandeuses d'asile LGBT dans leur parcours d'intégration en France. Un demandeur d'asile, c'est une personne qui vient d'arriver sur le territoire français et qui souhaite demander à la France l'autorisation de rester en France. Une personne réfugiée, c'est celle qui a déjà fait toute sa démarche de demande d'asile auprès de l'OFPRA et qui a obtenu l'autorisation de rester sur le territoire français. Le traumatisme de l'exil est certes très important, mais le fait d'être LGBT, en plus d'être en exil, ça rajoute encore à la difficulté qu'ils peuvent rencontrer une fois arrivés sur le territoire français. La majorité des jeunes que nous avons chez nous sont des personnes qui ont demandé l'asile parce qu'ils étaient en danger de mort ou qu'ils risquaient la prison à vie du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Ce service a été créé parce que dans les délégations, il y avait un grand nombre de personnes demandeuses d'asile et réfugiées qui étaient hébergées. L'accompagnement de ce public-là demande un temps beaucoup plus long que celui qui est proposé dans les délégations. Il faut savoir que pour la demande d'asile, la démarche en elle-même peut prendre jusqu'à un an. Et pour le public réfugié, il est nécessaire de les accompagner au mieux dans leur démarche pour qu'ils puissent après vivre sur le territoire français de façon autonome. Dans le DENH, on est un service de salariés. Donc ça veut dire qu'en fait, nous avons des formations professionnelles très particulières autour de l'accompagnement social. Et le fait d'être formé à écouter ce genre de récit, à accompagner ces publics aussi dans les différentes démarches, fait que, certes, ces histoires sont prenantes, elles sont déchirantes quand on les écoute, mais nous permet aussi à un moment donné de pouvoir prendre du recul et de pouvoir se détacher en fait de ces histoires qui ne nous appartiennent pas. J'ai choisi de travailler au refuge parce que tout au long de mon parcours professionnel, j'ai toujours besoin d'avoir une cause à défendre. C'est un public qui m'apporte beaucoup en fait au quotidien, qui peut être très touchant, surtout pour les demandeurs d'asile qui obtiennent leur statut de réfugié, qui très rapidement mettent de côté tout le côté traumatique aussi de leur situation et de leur vie passée. Certaines réactions sont d'une humanité mais sans nom et nous rappellent en fait au quotidien pourquoi on est là.